3, 2, 1, check de pouce. Check de pouce. Salut Antoine. Oh, salut Quentin. Nous allons voir dans cette émission aujourd'hui une question qui me tient énormément à cœur, que j'entends souvent. On me dit, depuis que mon ex m'a quitté, j'ai l'impression que je vais mourir. Quentin, est-ce que c'est normal ou pas, lorsqu'on vient de vivre une rupture amoureuse, d'avoir l'impression de mourir? Alors, oui, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose qui meurt, en effet. Il y a une vision commune de la vie qui meurt. Maintenant, c'est pas aussi grave que ce qui n'y paraît. Ça va bien se passer. Il y a toujours un après. Si c'est une phrase qui peut t'aider, répète-toi le mantra, il y a toujours un après, il y a toujours un après. C'est pas parce que ton ex n'est pas là que tu peux pas respirer, c'est pas parce que ton ex n'est pas là que tu peux pas manger, que tu peux pas dormir. Tout ça, en fait, tu n'y arrives plus à l'heure actuelle parce que tu es en situation d'insécurité. En fait, tu voyais ton ex comme étant le pourvoyeur de sécurité. Si ton ex est là, ou dans les parages de à côté, même si vous parlez pas, hein, bah, t'as l'impression que oh, c'est bon, tu étais en sécurité. Et maintenant que ton ex n'est plus là, tu es en grande insécurité. Alors que si tu regardes bien, factuellement, il n'y a personne qui te met un flingue sur la tempe ou un couteau sous la gorge qui va exact. Te taper. Aïe. Voilà, qui va te mettre vraiment en danger. Ça n'existe pas. Tout ça, il n'y a rien. En réalité, c'est dans ta tête. C'est une représentation que tu as. Parce qu'en effet, il y a un deuil à faire. C'est le deuil de la vision commune des choses. Donc, il y a un monde qui doit mourir. C'est le monde que vous aviez en commun. Et ça fait mal. Et on n'a pas envie, d'ailleurs, en plus. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on a très, très envie de récupérer son ex. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet de continuer à cultiver ce monde qu'on avait construit à deux, tout en changeant de façon d'être en couple. Parce que franchement, je leur dis à chaque fois, tenter une reconquête sans se transformer soi avant, bah, c'est juste recommencer la même histoire pour la suite. Et c'est en général la même fin qui se produit d'ailleurs quand on y arrive, hein, clairement. Donc l'idée, c'est en effet faire en sorte que ce couple-là meure pour permettre à un autre de renaître dans des circonstances différentes, tout en gardant bah, cette vision commune, parce que ça, c'est super douloureux. Maintenant, ça va bien se passer. Tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir dormir. Et je dirais toujours de l'air demain pour respirer. Exactement. Tu as toujours de l'eau pour boire, tu ne vas pas mourir. Tu as vécu avant ton ex, tu peux vivre après ton ex, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est vraiment que tu retrouves ta sensation de sécurité intérieure. Et c'est important pour deux raisons en fait. Déjà pour toi, et ensuite parce que si tu ne le retrouves pas, en fait tu vas être dans le besoin. Et quand tu vas regarder ton ex, quand tu vas revoir ton ex, tu vas être tellement dans le besoin. En fait, tu vas le ou la faire fuir. Parce que needy, c'est freaky, c'est ok. Dans le besoin, ça craint. Comment on dit déjà? Proverbe, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Ouais, proverbe. Dicton. Des idiomes. Monsieur. Non, je sais pas, j'invente ça. C'est moi l'idiot. Ouais, ces deux dictons ont du sens, surtout si toi, t'as l'impression que t'es en insécurité totale. Retrouve ta sécurité intérieure. Prends ton temps. Prends le temps de respirer. Ça fait peur, mais c'est pas dangereux. Voilà. Merci Quentin, à bientôt. Salut, à bientôt. Check de pouce. Ouais, check de pouce avec le pouce. Avec le pouce. Abonne-toi, laisse un commentaire. Ciao. Ciao.